Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Exercice 1. Le trapèze rectangle 6 contres vous présente une salle de cours. Utilisez les informations de la figure pour calculer la hauteur h de la salle. Ici, au sol, on voit qu'il y a 10 mètres. Au plafond, sur cette partie-là, il y a 6 mètres. Et sur cette partie-là, la partie mansardée, il y a 5 mètres. Nous, ce qu'on doit calculer, c'est la hauteur h. Ici, on voit qu'on a un triangle rectangle. Donc, on va utiliser le théorème de Pythagore. Pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut au moins connaître la distance de deux côtés. Ici, donc, c'est l'hypoténuse, parce que c'est le côté en face à l'opposé de l'angle droit. On doit calculer cette distance-là et cette distance-là. Donc, on sait que la totalité, c'est égal à 6 mètres, que sur cette partie-là, c'est égal à 6 mètres. Donc, cette partie-là, elle va être égale à 10 moins 6 mètres, donc c'est-à-dire 4 mètres. Donc ici, on a une distance de 4 mètres. Donc là, on a le point A, on a le point B, et ici, au niveau de l'angle droit, on a le point C. Pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut une seule condition, il faut que ça soit un triangle rectangle. Comme le triangle ABC est rectangle, alors on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc on va écrire la formule, donc c'est hypoténuse au carré, donc c'est AB au carré est égal à BC carré plus AC carré. Tout ce qu'on recherche c'est AC, donc c'est la hauteur, donc AC carré est égal à AB carré moins BC carré. Donc AC carré c'est égal à AB, donc c'est égal à 5 au carré moins BC carré c'est égal à 4, donc 4 au carré. Donc maintenant je calcule moi la distance, donc AC est égal à racine carrée de 5 au carré moins 4 au carré. Donc AC est égal à 5 au carré c'est 25, moins 4 au carré c'est égal à 16, donc racine carrée de 25 moins 16. AC est égal à 25 moins 16, on sait que c'est égal à 9, donc à racine de 9, on sait que 9 c'est 3 au carré, donc c'est égal à 3 au carré racine carrée. Donc là, la racine carrée et le carré s'annulent, donc ça nous donne comme résultat 3. Donc h, la hauteur, est égale à ac, qui est égal à 3. Donc voilà notre résultat. Toute l'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi cet exercice. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube afin de recevoir régulièrement tous les nouveaux exercices. À bientôt !